Salut les potes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo sur du Nike. Et ouais, comme vous l'avez vu, c'est sur du Nike les potes. Wild Run Mid Layer, c'est un t-shirt pour le sport. Je l'ai acheté sur Zalando. Non, je me suis trompé, sinon je vais me faire taper sur les doigts. C'est ma chérie qui me l'a payé pour Noël. Le prix est de 51 euros, donc ils ont fait une réduction sur ce t-shirt. Pourquoi avoir pris ce t-shirt? Tout simplement parce que j'ai aimé et j'ai adoré le côté vintage que celui-ci apportait avec ses couleurs, ses différentes couleurs. Donc on peut voir, il y a du, je sais même pas, je suis daltonien, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est comme couleur, ça si c'est du orange ou du rouge ou du rose. Mais en tout cas ça c'est du violet, ça j'en suis sûr, ça c'est du réfléchissant. Parce que oui, il y a du réfléchissant. Ici, il y a une petite languette qu'on peut ouvrir. Nickel. Hop, avec du fluo. Du jaune fluo. Ici, là, il y a du orange. Là, c'est du orange. Avec marqué Nike Run en jaune fluo. Avec encore du violet. Et attention, parce que il y a de la composition différente dans les manches que sur le torse. Ce que je vais faire là, c'est que je vais te faire un petit OOTD. Et en te faisant le petit OTD, je vais te dire les composants de ce petit t-shirt. Matière et entretien, composition de 95% de polyester, 5% d'élastane, composition des manches, et oui, je vous avais dit que c'était différent, 80% de polyester et 20% d'élastane, technologie Dry Fit de Nike, conseil entretien lavage en machine à 30 degrés, lavage textile délicat, c'est pour du sport. Col camionneur, donc c'est un col qui vous serre assez le cou, mais c'est très confortable. Séchage rapide, élément réfléchissant. Au poignet, il y a des élastiques, il y a un motif imprimé, donc le Nike et le Nike Run. Et propriété respirant, séchage rapide, enfin bref, tout le tralala. Et je vous laisse pour l'outro. La place de fin pour mon outro. C'est impeccable, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche, parce que ça c'est un gros problème sur YouTube. La petite cloche, il la faut absolument pour que vous receviez des notifications, pour que vous sachiez que j'ai enfin mis une nouvelle vidéo en ligne. Bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mettez un petit like, commentez, dites-moi si vous avez déjà ce petit t-shirt ou si vous en avez des similaires. Je vous fais plein de gros bisous, peace, mais pas sur moi. Pouh.